Bienvenue dans la cabine de pilotage, de pilotage. Je rends mon rapport de combustion. Bon, ça c'est rien. Retourne à la terre, retourne en poussière, lui dit-il. Tout, 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 tout. Bon. J'avais rêvé d'inondation. Bah, c'est au Texas finalement. Il y a 2 jours. Comme ça. Si je maîtrise bien le truc, je saurais prévoir à temps. Si on me fout la paix. Et je saurais l'endroit. Si vraiment je taquine le machin, je pourrais même savoir les résultats du loto. Quand même, ça pourrait m'arranger. Vous savez, j'ai encore fait une série de mégots par terre. Les infos. Bon. Le macro en boîte, ça sera le shield, ça, pas du tout. Le Merluchon, c'est pas mal, mais c'est quand même un franc-maçon, il le dit. Alors, est-ce qu'il n'est pas encore au 33e étage? Peut-être qu'il n'a pas encore enculé des gosses, je sais pas, torturé des singes, je sais pas. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas vraiment maçonnique sa mère, tu peux pas savoir, tu sais. Et à la fin du troisième rêve en noosphère, comme ça, quand même, je pouvais remonter au ciel et j'étais libéré. Je remontais dans le monde de l'esprit et là-haut, c'est moi qui juge ce que j'ai vu sur Terre. Tu vois? Sur Terre, je peux rien foutre, j'ai pas une thune. C'est ça l'histoire des deux mondes. Bientôt, il n'y aura plus de classe moyenne. Hein. Faut pas croire. Hein. Tu n'auras que des très très riches et que des très très pauvres. Qui c'est qui va bosser là-dedans? Moi, à la fin, tout le monde était content de travailler pour le devenir de l'ensemble. Et tout le monde préférait faire caisse commune que fosse commune. Tu vois, c'est pas compliqué. Moi, je suis super pote avec le bon Dieu. C'est pour ça que je fais crise de Nice. C'est noosphérique. Mais vous comprenez pas. Voilà, 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 voici, voilà, voilà, voilà. Après les feux, les inondations. Mais là, c'est l'apéro à peine. Faut pas croire. Tant que vous serez con. Et le bon Dieu, il vous veut pas du mal, il veut juste que vous compreniez que seul l'esprit du devenir de l'ensemble compte. Les fourmis, ils travaillent toutes, je vais le répéter combien de milliards de fois, autant qu'il y a de fourmis. Les abeilles, ils ont toutes du boulot, mais vous les niquez aux insecticides. On pourrait ne pas être malade si on bouffait pas vos merdes aux OGM. Industriels foireux, politiques de merde, connards du pouvoir, salopes, putes. Là, on dit des députés. Je préférerais mieux qu'on dise des réputés, moi. Tu vois. Dans tout pays, dans n'importe quand, dès qu'il y a des élections, il faut voter pour les incorruptibles. Bon, il n'y en a pas. S'il y a des mecs qui se présentent comme incorruptibles, qui te disent « mon âme n'est pas à vendre », c'est sûr qu'il faut voter pour lui. Et vous faites que de la merde. Mais vraiment. D'ailleurs, je suis en train d'en faire une, mais je sais pas, elle sent bon ma mère. Mon caca, il sent bon moi. Tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Autant faire du bon engrais. D'ailleurs, le pétrole, c'est le sang de la terre. Ça sert à sa combustion. Quand tu mets le pain dans ta bagnole, tu mets ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Non? C'est de la putréfaction. Comme le café, c'est torréfaction. Non?
Bon, enfin voilà, tout ça pour dire ça. Ça me gonfle, j'en ai marre des mégots, j'en ai marre, putain. Un petit peu pour tout le monde, ou alors pour personne. Ça va péter. Ça va péter. Et c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je suis que le radio. Entre le ciel et la terre. Je suis un lien terre-ciel. Par contre, en subconscience, pouf, j'ai 10 sur 10. En matérialisme, j'ai pas rien du tout, je me bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment plus rien à foutre. Par exemple, si j'arrête de boire, je fais pas du délirium très mince, mais je fais du délirium très gros. Et là, j'ai comme une conjonctivite. Dès que je ferme mes volets, j'ai la télé naturelle qui s'allume. C'est pas la pollution électromagnétique. Et alors, c'est pas une conjonctivite, là, c'est une conjonctilante. Bon, c'est normal, c'est lentement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Dans l'espace-temps, ouais, il fera Mossad. C'est le Shin Bet. Vous l'arrêtez, ce pouvoir de merde, là. Vous arrêtez de vendre vos âmes, là. Attention. Demain, ça fait 2 mois que j'ai 4 fois 7 et que j'ai 4 fois 12. Je suis 28 et j'ai 48 ans. Attention. Pour l'instant, je ne dis rien. Mais j'en subconscience pense pas moins. Tu vois le truc? Bon, je vais pas dire demain l'Airbus A380 il va tomber à 8000 mètres. Non. Bon. Oh, demain il va y avoir une putain de vague, laisse tomber. C'est le projet ARP. Non. Non, tout mais pas ça. Non, pas ce pouvoir là. Le macro, putain, morceau d'envie d'y mettre un coup de boule celui-là. Petit PD. Et là, je prends demain. Ça va, tu ramasses pas des mégots, toi, hein? Il y en a des putes, de la coque et de tout ce que tu veux, non? Hein? Bon, t'as bien dû aller faire un petit tour par Saint-Tropez, hein? Allez, va. Areva. Tu vois, Areva. Ils ont tout noyé, ils ont fait un barrage. Les grues, les machins, l'uranium, tout ça. Les gosses, ils jouent au manioc à 80%. Tout le monde a la leucémie, mais ils disent, c'est qu'on va aller. Allez, va, allez, va. Ah, fanculores profondicum. Je suis de l'ordre des insultus de sous merdicus. Et je te pisse à l'arrêt, je te pisse au cul. En fait, si je te vois, je te défonce.